Bienvenue au moulin de Saint-Désiré. Nous sommes les propriétaires du moulin depuis 1998. Il nous a été transmis et nous avons pu ainsi perpétuer le savoir-faire familial. L'histoire de ce moulin a débuté en 1901 avec une locomotive à vapeur. Maintenant, bien évidemment, celui-ci fonctionne à l'électricité. Notre activité est de transformer des céréales en farine avec un processus artisanal qui nous permet de garder une qualité optimale tout au long des années. Concernant les étapes de production, celle-ci commence par l'approvisionnement des céréales provenant d'agriculteurs locaux. Les céréales sont ensuite nettoyées, humidifiées et mises au repos pendant 24 heures pour arriver à l'étape de mouture. C'est l'étape qui permet de broyer les céréales afin de séparer la semoule de blé de l'enveloppe. Dans notre moulin, cette étape de mouture se fait avec 8 calibres de broyage. Vient ensuite l'étape de tamisage, qui va permettre de séparer la farine de la fibre du blé pour obtenir une farine blanche adaptée à la fabrication du pain et des pâtisseries. Le conditionnement de nos farines est réalisé dans des sacs pouvant aller de 1 à 25 kg. Si vous êtes un particulier et que vous voulez vous procurer nos produits, ceux-ci sont disponibles dans certaines grandes surfaces ou en vente directe au moulin. Et pour les professionnels, je vous invite à prendre directement contact avec nous. Merci et à bientôt.